Et salut salut tout le monde, c'est Resino et on se retrouve sur Deep Space pour la suite du Let's Play. On est à l'épisode 3 là. Et on allait se diriger vers le hangar pour aller voir comment ça se passe avec le vaisseau. Et ça n'a pas l'air bien. C'est quoi? Ah ouais, c'est le bordel là. Hop, vertical. On l'a bien démembré, hein. Hop là. Des crédits. Ça sera bien pour plus tard. Ah bah le vaisseau, comment on va faire pour repartir? Ça se voit quand même qu'il est mal. Bon, ça c'était les petites tables, hein. Le bon vieux temps où on mangeait. Ah, kit de soin. Parfait. Mais qu'est-ce qu'il veut repartir avec le vaisseau? Mais il est con, il est dévasté. Charger rapport dommage. Bah oui, mais. Maman, aide-moi. Oh putain! Mais quel con! Mais je l'ai prévenu qu'il était cassé son vaisseau. Aïch. Bon, on est enfermé ici. Attention, Isaac. Tu peux avoir un éclat. Non, ça a l'air bon. Oh non! Plus ça, je voulais le ralentir, je voulais faire mon malin, il n'y a pas moyen. Tu l'as tous. Oh, la belle texture élastique là. Ça c'était un bug. Comment partir? C'était notre seul billet retour. Ah bah oui, on ne sera plus parti. Là, ça change vraiment tout. Bon, la texture est restée buggée, hein, c'est pas grave. Vous pouvez accéder aux commandes. J'ai pas envie de gaspiller une balle, moi. Les principaux sont bloqués aux employés de base. Sans l'autorisation du capitaine, aucun moyen d'y accéder. Bon, et où est-il? Le voilà. Capitaine Benjamin Mathius. Situation? En soin. Statut? Décédé. Quoi? Merde! Je n'ai pas accès à ces informations. Trouvons le capitaine et nous aurons ses rigs. Avec ses codes d'accès, je pourrais pirater cet ordinateur. Bordel. Isaac, je vais renvoyer le tram vers votre position. Ah, allez le tram. À l'infirmerie et trouver ses codes le plus vite possible. C'était quoi? Oh, les pauvres. Ok, on va aller trouver le capitaine. Hop, une petite sauvegarde, ça fait pas de mal. Le tram, il est où? Voilà, normalement à chaque fois qu'on prenait le tram, il me semblait, il y a un changement d'épisode. Donc bon, normalement on aurait eu un épisode de 1 heure presque, quoi. Si j'aurais fait un épisode par épisode. Ça se dit, un épisode par épisode. Ascenseur. Hop là, on descend. La flèche vise vers le bas. Oh, elle est mal fermée. C'est voir entre, tant mieux pour moi. Bon, il y a le bras qui fatigue à force. Oh, stock. Ça c'est bien ça. Hop, on va aller voir le stock. Alors, acheter. Tu peux déjà acheter des armes dès le début? Ah ouais. Tenue niveau 2, ça je veux bien acheter. Parce que bon, la niveau 1, c'est pas qu'elle me protège mal, mais elle me protège mal. Bon, les armes, on va pas acheter de nouvelles armes pour l'instant. Dans le coffre, qu'est-ce qu'on va mettre? On peut encore ranger. Ah si, de ici, on pourra les ranger. Et ça, ça se vend bien. Je vais vendre des kits de soins. De toute façon, c'est pas comme si on en a tant besoin que ça. Voilà, et en échange, la stase aussi, hein. On en garde une, hein, quand même, on sait jamais. Hop,
Et acheter, on va acheter la tenue numéro 2. Ah, c'est niveau 2 plutôt. Alors, ah, le changement de tenue. Facile, enfin, si, ça va être du lourd, j'imagine. Allez, vas-y. Waouh, je rêverais trop de m'habiller comme ça les matins. Ouais, ça c'est une bonne tenue. Hop là, voilà, tenue niveau 2. J'imagine qu'on a des améliorations. Amélioration inventaire surtout. Ah non, améliore l'inventaire et l'armure, donc. Là c'est quoi? Petite recharge d'air, non, on n'en aura pas besoin. On peut acheter une nouvelle arme si on le désire. 7000 ou 9000 le trancheur laser. Ah, ça m'intéresse. Il sait quoi, fait péter le trancheur laser. Je pense que vous voulez tous que je l'achète. Hop. En plus, il nous reste encore de l'argent. C'est pas comme si c'était un problème de l'avoir acheté. Alors, montre-moi ce trancheur laser. Ouais. Oui, mais ça, je sais, tu sais. Allez, hop. Suite. Ça, c'est le cutter à plasma. Et la flèche de gauche, c'est le trancheur. Ouais. C'est déjà plus gros, hein. Il y aurait une arbalète. Bon, on va faire avec. Le plan. Alors, est-ce qu'on peut améliorer l'armure? Rig. 0 points de force, on peut rien améliorer. D'accord, je me casse. Allez, on va finir ce niveau. On va prendre le tram. Merde. J'ai mal pris la rampe. Hop là. Alors, on part d'où? Épisode 1, nouveau venu terminé. Et ils ont pas mis de... d'apostrophe sur le E. Ou alors c'est accent aigu, je sais pas comment ça s'appelle. Voulez-vous sauvegarder? Oui, je vais bien faire une petite sauvegarde. Hop. Ok, épisode 2, directement un grand changement. Ah, vivant. Ah. Ah, ok. Elle a plus d'œil, d'yeux. D'œil. C'est quoi? Ah. Module macro PK. Oh, merci. What? C'est quoi cette mort de merde? Est-ce que je peux contrer le se prend un fou Froda par derrière? Ok, bon, le stock, on vient d'y aller, hein. Je vais pas vous faire perdre votre temps avec ça. Par contre, c'est la merde. Ah, j'ai compris maintenant. Ce qu'on peut faire, c'est la télékinésie. Merci madame qui l'a offert. Sinon, je serais bloqué par ces deux caisses. Je ne pouvais pas du tout passer au-dessus. Allez hop, on va les mettre sur le côté. Voilà. Parce que nous, on range bien les choses parce qu'on sait toujours qu'il y aura un retour s'il y a un aller. J'imagine. Schéma. Ah. Lance-flamme. C'est bon ça. Allez hop, continue. Mais pourquoi ça fait un bruit comme ça? Ils nous ont trouvés. Kendra a disparu. À l'instant, elle était là et je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue. Perdu Kendra, après quoi? Ramenez-moi les codes du capitaine et nous trouverons Nicole. L'équipage a dû barricader la porte menant aux urgences. Ouais, elle est barricadée. Va falloir la faire sauter pour aller là-bas. Cherchez de la thermite dans la pharmacie. Et quelque chose comme un défibrillateur. Ça devrait être plus loin. Merde, je crée une interférence. C'est bon, j'ai compris, je la crée une bombe en gros. Ah, des munitions trancheurs, c'est vrai que j'ai l'arme mais j'ai pas de munitions. Bon, j'ai quand même un chargeur qu'ils m'ont donné avec, ils sont sympas. Astase. Faut qu'il y a des mouches partout ici, c'est dégueulasse. Sauvegarder. On a quand même avancé un petit peu. Voilà. Je préfère largement cette armure hein, comparé à l'ancienne. La première, elle est vraiment pas fameuse. Donc par ici d'abord, on va suivre le GPS.
ça a bougé. Vous êtes d'accord avec moi, ça a bougé. Tir alternatif. Bon, avec cette là j'ai pas envie de le tester, mais avec le cutter je sais que ça change la lame. Avec le trancheur j'ai oublié qu'est-ce que c'est, mais c'est sûrement un tir. Du coup j'ai pas envie de gaspiller une balle. Faut la boucherie. Allez, prends les munitions. Recharge la pompe de stase, ouais, voilà. Oh, comme elle m'a trollé. Moi même où je voulais la viser quoi. Allez hop. Pharmacie. Ça change, c'est tout blanc, c'est beau. Ah quoi? On m'aide pas? Ah si, il n'y avait pas les lignes tellement c'était blanc. C'était blanc. Anomalie dangereuse détectée. Activation quarantaine. Quarantaine, mais t'es sérieux? Ça va tirer tout le monde, fils de... Toi je t'ai vu, tu sais. Ok, le trancheur il est pas mal balèze. On va tester le tir alternatif. C'est quoi? Non! Ne recharge pas! Ne recharge pas! Je vais bien choper. Je vais marteler le A. C'est bon, trop de puissance. Mais c'est quoi le deuxième tir? Je comprends rien. Mon tir alternatif, on passera. Oh! C'est une mine! C'est une mine, ouais. Regarde, va dans la mine. Attends, on va la tirer. Oh, elle a explosé, ça c'est pas cool. Mais elle a cassé les jambes. Oh ma vie. Il y en a encore un. Moi qui l'ai bloqué à l'intérieur. Non. C'est pas à l'intérieur qu'il est bloqué. Ah, on peut se soigner, c'est vrai ça. C'est là qu'on voit que ça va devenir de plus en plus chaud. Il est bugué mais je sais pas où. C'est sûrement pour plus tard. C'est bon, je l'ai ramassé. On peut courir en marche arrière? Oui, on peut courir en marche arrière. Parce que dans le 3 on peut, dans le 2 aussi. Ces petits ascenseurs là. Ah, lol. Non, raté. Bon. Pourquoi cette musique de merde, mais regarde-le. Il est complètement inoffensif. Merde, non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je voulais te casser un bras. Puis l'autre. Ah. C'est marrant, hein. D'accord. C'est pas marrant. Fermé, tu te fous de ma gueule. Avec la quarantaine. Je fais quoi, moi, du coup? Je fais quoi, moi? Il y a quelqu'un. Peut bien causer tout ça. À mon avis, vous n'y êtes ah, pas du tout. C'est un enregistrement. C'est l'œuvre de Dieu. Je n'en suis pas si sûr. Tous les problèmes rencontrés sur la colonie semblent être liés au monolithe. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais. Le monolithe est glorieux. Ça, c'est chiant. Vous le savez. Et ses voix sont impénétrables. Si vous le dites, elle sera abordée demain. Vous pourrez l'étudier sans restriction. Qu'est-ce qui vous tracasse tant? Tracasse? Capitaine, des gens meurent là-dessous. S'entretuent. Est-ce que c'est ça, la transformation enseignée par l'unitologie? Docteur. Il y aura toujours des risques, si l'enjeu est de taille. Dans ce cas, il est énorme. Ça pourrait tout changer. Un peu la merde en plein enregistrement, là ils nous attaquent. Ok, donc j'ai suivi l'enregistrement. Tellement j'étais concentré, j'ai pas parlé. En gros, c'est le monolithe qui est la cause de tout ça. Ah, je peux pas me soigner, plus de kit de soins. Ah, ça c'est la merde. Je peux toujours pas passer, j'imagine. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut que je tue tout le monde. Hein. M'a l'air logique. Mais bon, seulement il y a personne ici. C'est un peu problématique. Ah, salut toi.
C'est vraiment puissant le trancheur. Mais c'est lent. Ah, quarantaine levée. Merci madame. Hop, on va aller chercher. On devait chercher quoi encore? De la thermite? Un truc comme ça, ils avaient dit. On prend tout. On pille tout, nous. On prend les munitions. Voilà. Sauvegarder. 46 à l'air sauvegarde. Ah merde, on sait pas voir combien elle est maintenant. Moi j'aurais pu voir le temps de l'épisode. Bon, c'est pas grave. Je verrai bien au bon moment. Ah bah t'es mort toi, c'est foutu hein. Oh, oh mon pauvre. Bon, je me casse. Non, mais sérieusement, la violence du truc quoi. C'est ramassable, oui. Ah, et en plus on doit y aller. Ah ouais, ça c'est cool ça. Oh, merci pour les munitions. Je pété, pété, tais-toi. Non, il me bouffe. Il a réussi. Ah non, il a pas réussi. Et dégage, je vais au foot moi. Même pas peur. Hop là. Même pas peur. Hop, on se soigne. Plus de kit de soins. Sérieux, là, ils sont en train de former l'armée des clones, comme dans Star Wars, dans des cuves. Oh, ils sont vivants! Ils sont vivants, les bébés! Bon, ben... D'accord, on se casse. C'est quoi, c'est... Mais c'est quoi, ça? Ça saute partout. Je me suis trompé de touche. What? Ok. Donc c'est le nouveau type d'ennemi. Ce sont des bébés. Hop, on charge le trancheur. On va reprendre le cutter à plasma pour pas gaspiller de balles. Ok, en même temps j'active le GPS pour vérifier si c'est ici, mais bon, je n'avais pas d'autre ici. Un point, merci. Ça fait toujours plaisir. Ah, c'est la thermite. Est-ce qu'on a besoin? Parfait. Avec cet explosif, on devrait pouvoir faire sauter la barricade. Il nous faut un défibrillateur. Défibrillateur. Il peut se trouver un... ouais, des bruits inquiétants par ici. Moi j'ai déjà tué je sais pas combien de mecs. Enfin, t'es tranquille encore, donc tais-toi. Enfin, je pense. J'ai préféré attendre. Voilà. Fallait mesurer le rythme d'abord. Tout... Allez, je me trompe toujours de touche. Je l'ai pris. Je ne suis pas si sûr. Soigne-toi. Non, il n'y a plus de kit de soins. Ah ouais, maintenant faut encore que je cherche le défibrillateur. Ah, ça c'est la merde. Vous savez quoi, on va acheter des kits de soins. Même si j'en ai vendu, je sais, c'est con, mais bon. Ah oui, on a le lance-flamme maintenant. Ah, et il coûte que 11 000, donc si je veux, je le prends. Mais je le prendrai pour le prochain épisode sûrement. Ou dans deux épisodes même. Hop, on va acheter que deux qui... Non, c'est quoi, trois? Hop, voilà. Tranquille, on est des fous. Voilà, et on en garde un. On sait jamais. Deux même. Ouais. Et à combien de minutes est l'épisode? On va regarder ça tout de suite. Et c'est parfait, on est parfait dans le timing. On peut arrêter l'épisode ici à 20 minutes. Et dans le prochain épisode, on va chercher les défibrillateurs dans l'imagerie médicale. Donc, bah, sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. C'était Raizino.